Bonjour à tous, ici Dingo Darwan. Aujourd'hui, petite surprise ce samedi matin, donc sur ma tablette Shield, non pas sur la Nvidia Shield TV, mais sur la Shield tablette. Donc une mise à jour de la Shield tablette en 5.3. Apparemment, ceux qui ont dit que Nvidia ne mettrait plus à jour sa tablette. Ben, je suis étonné aujourd'hui de voir que ils continuent à faire la mise à jour. Donc, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que la mise à jour contient. Donc là, je télécharge la mise à jour. S'il y a des explications sur cette mise à jour, je referai une petite vidéo supplémentaire où je rajouterai à cette vidéo-là. Donc voilà, je procède à la mise à jour. Je voulais vous montrer parce que mise à jour un peu étonnante au niveau du chargement. Donc c'est un cercle arc-en-ciel, donc avec plusieurs couleurs. Ça charge, je sais pas, je vais pas vous le montrer correctement à l'écran. Sinon c'est un cercle arc-en-ciel, là je pense qu'on voit que il est que une seule couleur, il est blanc, mais il est de plusieurs couleurs. Bon voilà, j'ai effectué la mise à jour. Donc Nvidia nous dit rien sur la mise à jour. Donc j'ai été regarder sur le site tous les drivers. Ils nous expliquent que la mise à jour corrige quelques bugs, comme d'habitude bien sûr. Et surtout la faille de sécurité au niveau Wi-Fi. Donc la petite faille de sécurité ou la grosse faille de sécurité sur la Wi-Fi. Donc c'est tout. Bon. Donc ils disent aussi que Nvidia aussi ne va plus mettre à jour sa tablette, mais vers Android 8. Elle resterait toujours en Android 7. Donc voilà. Donc c'était un petit peu la mise à jour de la tablette. C'était Dago Dorwan. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.